bien. Parce qu'en tout cas moi ça va super bien les amis, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo genre trop spéciale. Enfin bref, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et ça fait très longtemps que je voulais en faire. Parce qu'aujourd'hui les amis, nous avons reçu un cadeau spécial. Nous avons reçu un colis surprise. Qu'est-ce? Que révèle-t-il? Que cache-t-il? Bon, en fait, cette boîte n'a pas du tout pop dans ma boîte aux lettres comme ça au hasard. C'est une fille qui est venue me parler il y a quelques mois, déjà un petit moment, par mail pour me dire que bientôt elle allait commencer sa nouvelle marque, on va dire, de boîtes mensuelles, de colis surprise mensuels. Si vous connaissez pas, il y a la Geekbox, des trucs comme ça. Enfin bref, en gros, c'est une box avec des surprises dedans. Et là, c'est une box un peu spéciale parce que c'est uniquement... sur le thème geekette. Donc en gros la box s'appelle la box geek and girly. Et je suis trop contente qu'elle m'ait proposé ça, parce que genre j'ai vu ça, j'étais là, oh mon dieu. Ça faisait déjà longtemps que je voulais faire des vidéos unboxing. J'avais regardé celle de Pharaoh, celle d'Adrigeek, celle de plein de youtubeurs. Et j'étais là, ah, il faut qu'un jour je m'abonne à ce truc là, comme ça j'aurai des box et je les montrerai aussi. Et là, bah gros hasard, elle m'a contacté peut-être quoi 10 jours après que j'ai pensé à faire ça. Et du coup j'étais contente, et du coup je l'ai reçu il y a pas longtemps. Donc on va vous faire ça et je vous parle de toutes les informations à la fin de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que j'aime bien faire ça, enfin j'aime bien regarder les vidéos où les gens font ça. Tu vois, je vais me fermer les yeux et je vais prendre un produit et le tâter et deviner... Ouah, oh punaise. Et devinez ce que c'est. Coucou. Ah c'est trop spécial la caméra là, je me vois genre... Salut. Surprise motherfucker. Sur le site internet j'ai vu que c'était une box qui valait 29,99€ et normalement il y a 4 produits qui valent plus cher que la valeur du truc. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais piocher, je vais fermer les yeux. Je vais piocher un truc. Je vais pas prendre un truc trop gros comme ça, je me le sens. Ah ouais. Voilà. Attends, ça c'est le papier de la box. Je laisse dedans parce que imagine, genre je l'ouvre et tout, et puis du coup je vois tout ce qu'il y a dans la box. C'est un peu con. What that? Oh, ça, on dirait un vernis. Attends, je ferme ça. Donc je rappelle, c'est une box geekette et girly, donc forcément il n'y a pas de truc d'après rasage pour garçon, hein, c'est évident. Donc voilà, je vais ouvrir les yeux comme ça. Donc là dans ma main, je suppose, franchement, à la mat. À la forme, je dirais que c'est du vernis. Maintenant, quelle couleur? Moi je dis rose, vu que la box de base elle est censée être rose. Voilà. Ouais, c'est évident, c'est un vernis. En plus, il y a genre un petit emballage tout mimi là comme ça. Non, c'est obligé, c'est du vernis. Je vais l'ouvrir. Oh, c'est trop chou comme elle a emballé ça. Attends. J'ai l'impression que c'est Noël, tu sais, genre. Ah, c'est la première fois que j'ouvre une box. Oh, et j'avais raison. Il est rose et il est trop mignon. Genre, regarde, c'est un vernis de la marque Avril. Look at this. Fais le focus. Voilà. Voilà, c'est un vernis de la marque Avril. Tout mignon. Bref, je suis contente, j'ai vu un article, je suis là. Bref, toutes les filles qui regardaient cette vidéo, on se comprend. On se comprend. Alors là, j'ai deux boîtes. Il y en a une qui est grosse et une moins grosse. On va prendre la moins grosse. À chaque fois, j'ai. Ah. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Moi, je saurais pas dire ce qu'il y a dedans. Est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je regarde? Ça se trouve, c'est juste un carton blanc. Ouais, c'est juste un carton. Ah, trop tard, j'ai vu. J'ai vu. Oh. Oh non, oh non, oh c'est ce que je pense. Regardez, attends, oh là là, attends, 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 attends. Oh non, et c'est trop rose, oh c'est mignon. Bon du coup j'ai un peu triché parce que j'ai vu. Oh non. Oh c'est, attends. Ah oh, c'est une lampe liqueur. C'est trop, c'est trop, je savais pas que ça existait ça. C'est trop mignon, il faut mettre des petites piles. Et c'est une lampe liqueur en fait qui s'allume et tout. Oh elle, franchement, vous voyez pas ces petits yeux là, ces petits yeux kiki, son petit naseau tout mignon. Oh elle est trop belle, franchement je voulais me prendre pour une piqûre et tout, mais elle est trop belle. C'est trop chou, moi les licornes et tout c'est la vie donc. Ah, il faut juste que je l'ouvre et que je mette des piles. Trop belle. Je vais bientôt déménager et plus tard j'aurai une petite étagère et tout et je mettrai ça parce que... Elle est trop mignon. Oh elle est trop minouche. Elle est trop, franchement elle est trop belle. Oh elle est trop belle. Je suis en train de regarder le tour de la caméra. Oh, bref, donc du coup, il nous reste quoi? Normalement il y a 4 produits si j'ai bien compris. Donc là il y a le t-shirt, je le sens. On va commencer par le t-shirt alors. Là il y a un t-shirt. Bon bah évidemment je pourrais pas deviner, mais attends. Univers rose, fille, geek. Ça se trouve je le montre à l'envers. Attends, où est l'étiquette? Non c'est bon, je vous le montre à l'endroit. C'est quoi? Vous allez me le dire en commentaire ou je le verrai genre après l'avoir vu. Je pense que... Est-ce qu'il est rose ou est-ce qu'il est gris avec du rose? Oh il est blanc. Et oh, attends, déjà moi j'ai même pas vu le tour. Regardez, il y a le nom de la marque, mince, de la box derrière et tout, c'est trop chou. Oh, oh, il est trop chou. Mais je pense que vous l'avez vu du coup, mais... Oh, il est trop chou. Oh, c'est Peach. Ah, c'est trop mignon. Attends, arrête. Oh, il est trop... Attends, voilà, vous voyez bien là comme ça? Oh, il est trop... Franchement, il est trop chou. Je pense que quand j'irai à une convention, rien que pour le clap d'œil, je le mettrai. Genre, c'est trop chou. J'ai aucun t-shirt geek en fait. Et du coup, je suis trop contente d'avoir une... Oh. Et du coup, je pense que c'est le dernier truc. Est-ce que c'est le dernier truc au moins? Parce qu'on a une grosse boîte là. Ouais, après il y a le papier.
un petit carton, je pense que c'est une figurine. Après ça a mis un petit nœud et tout. Bah l'ennui c'est que je peux pas deviner ça. Univers girly, on a déjà eu Peach. Donc je pense pas que ce soit Peach. Kirby? Ou un truc comme ça, non. Un truc genre Kirby, Peach. Ou une super héroïne genre Superwoman, je sais pas. On regarde? Enfin, vous voyez. Je regarde. Oh non! Oh non! Oh non! Attends! Oh non, putain! Hé! Hey, qui est fan ou connaît Adventure Time? Oh mon dieu! Oh, je suis trop contente. Arrête! Ah! C'est la princesse Shingam dans Adventure Time! J'adore! Je vous jure. Hey, franchement, ça fait trop. Oh, franchement, cette box. Mais regardez tout, les roses déjà, c'est trop mignon et tout. Oh non! C'est mon personnage. Genre, c'était mon préféré. Enfin, en fait, Adventure Time, c'est genre le dessin animé que j'aime trop. Genre ça, les ballons là. Ça vient de ma bannière de la chaîne. Qui vient des ballons bah, Adventure Time. Et genre, il y a ça, il y a Jake sur ma bannière normalement. Regardez, il y a. Alors, il y a Princesse Shingam. Moi j'ai elle, la meilleure, the best. Il y a la petite Game Boy, la petite. En fait, c'est leur console qui peut parler et qui implique à sa tête. Il y a le mec citron là. Ça, c'est un méchant, mais il est pas si méchant que ça. C'est Monsieur Citron. Et ça, c'est Finn en fille. Genre Fiona, dans un épisode, il y a Finn et le chat. Enfin, en fait, en gros, c'est Finn et Jake. Je sais pas si franchement pour ceux qui connaissaient, ah oui c'est trop cool. Genre t'as Finn et Jake et là, ben dans l'épisode là c'était Finn qui était une fille et Jake qui était ben, du coup un chat. Parce que à la base c'est censé être un chien. Oh mon dieu, je suis trop contente. Oh, pour ceux qui adorent Adventure Time, regarde. Voilà bon bah. Ah, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire, c'est genre. Oh non, je suis trop contente. Merci. Oh c'est trop chou, en plus ça m'a mis un petit merci, ça nous a fait tout, c'est trop. Trop cute, franchement Elsa, merci, merci mille fois, genre ta box elle est trop chouette. Oh franchement merci de m'avoir proposé ça, je suis trop contente, genre. Voilà, j'ai l'impression d'être une gosse qui ouvre des cadeaux de Noël et tout, voilà. Bon vous ne me verrez plus maintenant, je vais rester en date avec elle, genre. Geek and Girly, hello Ami Geek, merci d'avoir choisi, ah je vous montre un peu la feuille, elle est trop belle, franchement elle est belle cette box. Hello Ami Geek, merci d'avoir choisi Geek and Girly, la première box française imaginée par et pour les geekettes. Chaque mois autour d'une nouvelle thématique, tu pourras retrouver ma petite sélection de produits geek, mais toujours girly comme un t-shirt 100% coton dessiné par Yukiko, un produit de cosmétique bio, ouais, April là, les vernis. Alors deux goodies Geek and Girly, disponibles aussi sur la boutique, ah c'est cool ça, genre ils vendent aussi sur la boutique les trucs. Alors, le thème du mois, c'était Geek is Pink. C'est pour ça que... Enfin, Geek is Pink, pardon pour Bing. Donc, en gros, Geek est rose. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a que des trucs dans le thème rose un peu. Mais genre là, je suis trop contente. Genre, la figurine pop Princesse Bubblegum, elle a coûté 14,50€. Marre des figurines Marvel, rejoins la team Princesse Bubble. La lampe veilleuse licorne. Oh, c'est trop chou. 15,50€. Le t-shirt 100% coton à 20€. En exclusivité sur le site. Ah ouais, il est sur le site. Et il coûte 20€ le t-shirt, donc Peachy Umbrella. Et le vernis coûte 2,80€ sur avril.fr. On en a pour 42,80€ dans la box, donc c'est carrément plus que le prix de base. Enfin, c'est 12,80€ de plus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Non seulement parce que c'est la première que je fais et que je voulais vraiment en faire. Enfin, genre, j'adore les vidéos un petit peu différentes du gaming, comme ça on se rapproche un peu et on est un peu entre nous. Et bah, surtout parce que ça ferait plaisir, énormément plaisir à la personne qui a créé cette marque. Et aussi parce qu'il y a un concours qui vous permet de gagner deux box. Donc deux d'entre vous vont être contentes ou contents, hein, peut-être qu'un garçon a envie d'avoir un t-shirt Peach. Ah, trop chou. Bref, je vais vous mettre le lien du concours en barre d'infos. Vous avez jusqu'au 27 juillet. Et franchement, bah, c'est tout simple, vous participez, vous mettez sûrement vos coordonnées, tout ça. Et vous leur verrez si vous avez gagné. Aussi, bah, les box sont en précommande maintenant sur le site parce que voilà, bah, ça, comme c'est la toute première box, et bah, elle a lancé sa petite marque de box surprise. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos, le lien du concours, le lien du site. Tout ce qu'il faut, mettez un petit pouce en l'air ou un petit commentaire si vous voulez que je recommence à faire des vidéos comme ça. Parce que moi, bah, franchement, j'adore et tout, donc voilà, si ça vous plaît, c'est encore mieux, enfin voilà. Donc voilà, j'espère encore une fois de plus que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao. Le suricate, il est coincé dans son propre repère. Et à côté, il y a un vieux Moon John qui était à bas moi il n'y avait pas deux secondes.